Bonjour les touristes. Alors aujourd'hui je vous prépare une nouvelle vidéo sur, comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, sur, sur un réservoir à granulés. Donc là je suis en train de percer, donc je perce à 6 mm. Donc suivant le tirage, suivant comment ça se passe, j'essaierai après soit 8, soit 10. Voilà, je ne veux pas percer trop gros non plus. Voilà, faut qu'il y ait le maximum d'air quand même qui passe à travers. Après je vais percer aussi le dessous. Je vais faire quelques trous sur le dessous. Donc là pour l'instant j'ai tous les côtés. Voilà, tous les points bleus, il y en a, je l'avais compté dans ma dernière vidéo, 216 ou 276, je ne sais plus. Bref, j'ai pas mal de trous à faire. Donc c'est parti pour le perçage. Bon voilà, j'espère que ça filme assez bas parce que je me suis rendu compte en commençant le montage de la vidéo que je filmais un petit peu trop haut et donc qu'on voyait pas forcément ce que je montrais. Donc là, je vais bricoler ça, c'est un réservoir, je vais en faire un réservoir de pelé. De granulés si vous voulez. Donc il va falloir que je le perce un peu partout pour laisser passer l'air pour qu'il y ait une bonne combustion. Donc ce type de réservoir là vaut une fortune. Et donc tout mesurer correctement pour que ce soit vraiment bien uniforme. Et puis découper le dessus. Alors je garde le dessus pour garder une force parce que voilà, je vais percer dessus. J'ai acheté ça pour percer. Donc il y a plusieurs étages. On voit toutes les graduations. Donc pour l'instant je vais peut-être percer jusque 10. Ça me paraît entre 8 et 10, je vais voir. Et puis suivant la combustion, je percerai un peu plus profond. Enfin, pas trop gros parce qu'après les granulés vont faire que de tomber. Donc voilà. Là je vais prendre mes cotes et puis je vais tout mesurer pour tout percer correctement. Donc là j'ai fait un trait tous les 2 cm et du coup je reprends mais en quinconce. Donc là j'ai fait 0, 2, 4, 6, 8, 10 et là je fais 1, 3, 5, 7, 9. Hop, j'essaye de garder l'écartement de la règle. 11, 13, 15, 10. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 et 35. Et puis là, je vais reprendre du coup 2. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8. Alors ça devait être un super week-end, ils nous annonçaient super beau. Par contre, je comprends pas, il pleut. J'avais prévu une petite balade en 2 chevaux, du coup c'est foutu. Donc 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Voilà, je vais continuer toutes les autres lignes comme ça. Il m'en reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, hop, j'ai dit 17. Ça, j'ai le tactile de l'iPhone qui déconne. 17 fois j'ai 16 lignes, donc j'ai 17 trous comme ça et 16 lignes. J'ai 272 trous à faire là-dessus. Avec un rappel bien sûr de l'arrivée du quintet qui était la première épreuve de numéro plus 1419 et la bonne combinaison l'As, le 2, le 14, le 3 et le 6. Arrivé rapport de la cinquième épreuve, succès de l'As Floride.
Bon, ben voilà, c'est fini. Il est percé de partout. J'ai plus qu'à couper juste là en dessous. J'ai pas percé jusqu'au bout, mais je sais que voilà, faut que je coupe jusqu'ici. Et puis voilà, quelques petits trous ici. Et puis peut-être aussi au pied. Et par contre, voilà, je me suis rendu compte que par terre, il y a plein de limailles. Alors ça tombe bien, j'ai changé les enceintes du 4x4. Elles étaient complètement mortes. Alors je vais en chercher une pour voir si je peux tout aimanter. Vous voyez, quand je vous dis que c'est mort, c'est que c'est mort. Ah, super. Hop. Parce que là, avec le chien, les enfants, les voitures aussi, je préfère que ce soit nickel, de chez nickel. Vous voyez, mes pompes, elles en sont plein de copeaux aussi. Mes pompes, je les ferai après. Mais voilà, si je peux déjà tirer tout le plus gros. Là, vous voyez, ça, c'était mon trépied. Vous étiez posé là-dessus pour filmer. Je suis vraiment avec les moyens du bord. Comme dirait Guérou, on est un petit club. On fait des économies. Bon, ben voilà, je suis content. Déjà, le plus gros est ramassé, surtout pour le chien. Normalement, ma petite, elle vient des fois en chaussettes, alors... Normalement, elle sait qu'elle n'a pas le droit. Vous voyez, tous les copeaux métalliques. Vous mettez ça dans le pied, je peux vous dire, vous avez gagné. Je crois que je vais aller chercher l'autre enceinte. Parce que là, celle-ci, elle a l'air pleine. Voilà, celle-là. Petits trucs, on va déjà les aimanter, pas les perdre. C'est pareil, elle était bien morte. C'est pas terrible. On va passer, on va frotter toute la zone où on était. De toute façon, j'ai encore quelques petits trous à faire, donc je vais ramasser le reste après. La laisser sur le côté, mais oui, vous voyez, ça a déjà bien ramassé. Rien de le serrer à la clé, c'est fait pour que ça ne se dévisse pas. C'est comme ça qu'on casse les têtes en fait. Quand on va trop les serrer, les disques, ça pète. C'est pareil quand vous la posez, attendez bien l'arrêt du disque parce que sinon ça donne un truc comme ça. Et oui, ça arrive d'être con. Hop, les lunettes. Ça. Et du coup,
taper. Bon ben voilà, j'ai mon réservoir. Du coup, dans un premier temps, je vais lui mettre le feu dedans, comme je vous ai dit, pour brûler toute la peinture. Je vais bavurer un petit peu tout ce qu'il y a tout autour. Donc pour ça, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors voilà, j'étais chercher une fraise. Ça, je peux vous dire, ça râpe super bien. J'ai gardé mes lunettes quand même. Et puis, je vais passer un coup. On va essayer de bloquer ça entre les jambes. Ouais. Encore faut-il le serrer, quoi. Un premier temps, ça ira. On va revider le reste de copeaux qu'il y a dedans et place au feu. C'est pareil, un petit truc, je vois toujours des gens qui allument des allumettes comme ça. C'est le seul moyen pour en recevoir sur soi, toujours de vers soi, vers l'extérieur. Voilà, comme ceci. Ma femme n'arrête pas de l'engueuler. Hop, dans un premier temps, il va mettre du carton. On va lui mettre du bois. J'ai peut-être 3-4 trucs de bois qui traînent.
coup, à tailler qui passait pas dans le poêle, et ben, ça m'a évité de les tailler. Ça fume un petit peu. C'est normal, c'est un petit peu humide. Vous avez vu, ça reste du pétrole, mais vous voyez, dès que ça chauffe, dès que c'est chaud le pétrole, ça peut prendre feu comme l'essence. Surtout, toujours faire attention quand vous utilisez des choses qui améliorent la combustion. Jamais d'essence, bien sûr, ça va de soi. On n'allume pas un feu avec de l'essence, surtout pas. La température commence à monter tout doucement.
La température, la peinture est en train de cramer de ce côté-là.
Bah, la peinture s'est bien retirée. Donc vous voyez le bois, je vous l'avais dit, il est humide. On voit toute l'humidité qui sort par les nervures internes du bois en fait. On va dire par ses veines. Hop. Bon bah c'est bien. La peinture ce sera bien retiré, il sera bien décapé. Il va rester le fond, mais comme les braises vont tomber au fond. Et ben voilà, ça c'est parfait. Il n'y aura plus qu'à tester dans le poêle à bois. Et puis je vais peut-être faire une prise avec une pince pour l'agripper, pour le sortir en cas de besoin, voilà, quand il sera vide, et pour renouveler avec du bois. Donc je vais couper là, et puis ben, la vidéo qui suivra sera dans les prochains jours, enfin pour moi. Mais pour vous, c'est à la suite, dans le poêle à bois avec les granulés. Alors c'est pareil, j'ai eu l'occasion d'acheter ça. Donc c'est un ventilateur thermoélectrique. Donc c'est-à-dire que juste ici, c'est un petit, c'est pas un moteur, c'est ce qui crée l'électricité avec la chaleur. Donc ça, je pose ça sur mon poêle à bois, ça crée de la chaleur. Et ici, il y a un moteur. Donc, qui est tout dans le fond, je ne sais pas si vous voyez, et qui lui crée le mouvement de l'hélice pour souffler de l'air. Parce que chez moi, le salon est un peu plus bas. Donc ça marche, par contre il faut que je fasse vraiment carburer le poêle à bois. Voilà, il fait presque 30 degrés dans la cuisine et dans la salle, pour qu'il se mette à fonctionner et qu'il pousse l'air dans la pièce en contrebas dans le salon. Donc mon idée, en fait, c'est que je vais couper, voilà, la partie qui déborde, la partie d'ici là, couper cette partie-là, la disqueuse, afin qu'il soit le plus près possible du conduit du poêle à bois. Voilà, pour essayer de garder le maximum de chaleur sur cette partie-là. Donc voilà, pour éviter qu'il soit trop éloigné du conduit, parce que le conduit passe juste derrière, mais voilà, il est à ras-bord là. Donc là, j'aimerais qu'il soit à ras-bord aussi ici. Donc voilà. Donc je vais découper ça et pareil à tester. Voilà, donc j'ai montré environ, hein, voilà, faut que je passe vraiment sur la gauche de ce trait là, et je vais découper ça tout de suite en faisant attention de ne pas abîmer le ventilo. J'ai oublié les lunettes. Aller trop vite, comme dirait mon père. Rien que par la chaleur créée par la meuleuse, vous voyez, il n'y a aucun mouvement, hein. C'est pas moi qui
C'est juste ce petit truc-là qui fait tourner. Il n'y a aucun bruit. Donc là, je vais bavurer. Donc j'ai réussi à vous filmer la mise en route du réservoir de granulés. Donc là, je vous mets des photos à l'allumage. Vous avez vu, il y a la température qui est notée tout en haut, enfin vraiment, pas vraiment tout en haut, parce que tout en haut c'est la température extérieure qui était de 12 degrés à l'extérieur, mais juste en dessous, je sais plus combien c'était, mais voilà, il y avait la température et tout en bas il y a l'heure. Donc ça, je vous mets les photos de la suite. Et donc, peu de temps après, en fait, ça s'est éteint. Donc là, je vous mets les photos. Et donc, en fait, je suppose qu'il n'y a pas assez d'air qui arrive au milieu, parce que tout le début sur ça, ça a super bien pris, mais à mon avis les braises doivent se mélanger avec les cendres, et donc au bout d'un moment, bah, ça s'étouffe. Donc je crois que ce que je vais faire, je vais percer un trou dans le fond, voilà, d'un diamètre 40 maximum, entre 20 et 40. Je vais percer et je vais remonter tout un tube qui sera percé de part en part pour faire entrer de l'oxygène dans le milieu, pour vraiment que ce soit diffusé un peu partout. Alors je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous ferez vous, mais je crois que ça peut être, je crois que ça doit être la meilleure solution pour avoir de l'oxygène, parce que en fait ça a fumé énormément à l'intérieur du poêle, hein. Quand ça s'est éteint, ça a fumé énormément, donc à mon avis il manquait clairement d'oxygène. Et je crois que c'est la meilleure solution pour apporter de l'oxygène dans le milieu du poêle, du réservoir de granulés. Donc voilà, il me reste un bout de tuyau à trouver. J'espère trouver ça assez vite. Et puis du coup, je vous referai une autre vidéo pour vous dire si ça marche. Et puis voilà, c'est tout. Et ben, abonnez-vous et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si vous le souhaitez. Et puis à bientôt pour la suite.